Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à vous Michel Onfray. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir donc, pour cette soirée exceptionnelle dans laquelle, qui se déroulera donc en deux temps et dans laquelle nous échangerons d'abord pendant une demi-heure autour de vos deux dernières parutions aux éditions de l'Observatoire et à la suite de quoi vous aurez un échange pendant à peu près une heure avec Jean-Pierre Chevènement. Donc comme vous pouvez vous en douter, la conférence, enfin les échanges de ce soir vont probablement tourner un petit peu autour de la politique, puisque dans les deux ouvrages que vous faites paraître, qui sont en fait les deux premiers d'un triptyque, donc « Décoloniser les provinces », qui est la contribution, votre contribution au présidentiel, « La cour des miracles », votre carnet de campagne, donc qui vient juste de paraître, et « Zéro de conduite », votre journal d'après-campagne, dont on peut déjà, on en parlera, mais il semblerait que sans être déjà écrit, il le soit quand même un petit peu, en tout cas dans ces grandes lignes. Évidemment, on a échangé plusieurs fois à ce propos. La question politique est une question qui est toujours présente de façon même pas sous-jacente. Vous avez fait plusieurs livres uniquement sur la question politique, sur le post-anarchisme, sur différents sujets. Et là, ce qui est un petit peu différent par rapport à d'autres livres que vous avez pu faire, c'est que c'est un choix de traitement de l'actualité. Et plus précisément, dans le cadre du carnet de campagne, de la Cour des miracles, on y reviendra. C'est une forme qui est quand même un petit peu nouvelle pour vous, qui est celui du carnet, dans lequel vous traitez en direct, au fil des mois, la campagne, on va dire, de juillet 2016 jusqu'au 7 mai 2017. Ce livre-là a été précédé d'un premier livre, donc « Décoloniser les provinces », dont on peut considérer que ce premier livre est une sorte d'assise théorique qui permet de voir dans quel cadre s'engage la discussion politique qui est la vôtre, avant d'aborder, et on verra, parce que c'est l'un des charmes du deuxième livre, sur un mode très voltairien et assez, si ce n'est ironique, au moins assez moqueur, la politique française. Alors, décoloniser les provinces, peut-être brièvement, l'une des idées forces du livre, c'est que la principale maladie politique de la France, c'est le jacobinisme. Est-ce que vous pourriez, voilà, pourquoi est-ce que selon vous, c'est vraiment autour de cette question-là que s'articule à la fois ce qui fait la maladie de la France et, vous l'évoquez parce que c'est important, le livre est aussi un lieu de proposition, c'est pas simplement un lieu critique, c'est aussi autour de la façon dont on peut sortir de ce jacobinisme que peut s'articuler une solution. Oui, j'adore la province, j'y vis, j'y travaille, j'y suis depuis 10 siècles, je dirais, puisque la famille Onfray est arrivée sous forme de viking dans un drakkar il y a 1000 ans, et que j'ai dans mon village natal une maison qui est une espèce de lieu proustien dans lequel je vois vivre vraiment le monde, et j'y ai vu depuis plus de 50 ans maintenant, les commerces disparaître les uns après les autres, la vitalité du village disparaître, les jeunes s'en aller, et les commerces fermés, les maisons d'une certaine manière s'effondrer, à tous les sens du terme, des petits pavillons monstrueux se construire en périphérie du village, pendant que les vieilles maisons avec des vieilles pierres disparaissaient, avec les volets qui tombent, on voit des panneaux à vendre qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, personne n'achètera jamais une maison pour revenir à Chambois, c'est mon village natal, pourquoi faire? Qui viendrait s'enterrer dans un lieu comme celui-ci? Et quand je vais en province, souvent, je suis très très peu invité à Paris, à faire des conférences, très très peu, pas très étonnant, et j'ai été pendant des années pas invité du tout, pendant une quinzaine d'années, jamais. Jamais la Bibliothèque nationale, jamais Beaubourg, jamais la Sorbonne, évidemment, jamais, enfin rien de tout ça, ce qui était normal. Et en revanche, je vais dans des endroits où le coup de cœur m'invite, et je me retrouve dans des villages qui sont semblables à mon village. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait contre ça? Est-ce que vraiment, il n'y a plus rien ici, il n'y a plus de génie du peuple, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de talent, il n'y a plus d'envie? Il n'y a plus de possibilité d'une convivialité rurale. Est-ce qu'il faut vraiment faire son deuil de ça et imaginer qu'il faut passer un coup de bulldozer dans tous les villages pour imaginer que tout le monde doit grimper à la ville et s'enfermer dans des maisons qui ne vieillissent pas parce que 30 ans après, des maisons en agglo, ça n'a pas vieilli. Aller dans des immeubles, etc. Ce que Jean Ferrat avait raconté dans sa chanson « La montagne », c'était très précisément dit. Et puis j'ai réfléchi souvent à cette question-là et ça me paraissait d'une certaine manière inéluctable. Et il se fait qu'un jour, le nouveau maire de Caen, Joël Bruneau,
m'a passé commande d'une conférence sur Tocqueville, parce qu'une médiathèque qui avait été décidée par la gauche, puis il est arrivé au pouvoir et il a fallu qu'il l'inaugure, donc il a fallu qu'il lui donne un nom. La gauche avait souhaité une espèce de carrefour de l'universel ou je ne sais pas quoi. Et lui a dit, on n'a pas beaucoup de penseurs en Normandie, on en a quelques-uns, Tocqueville, ça fait l'affaire. Est-ce que vous accepteriez de faire une conférence inaugurale? Je dis bien volontiers. Et j'avais lu l'Ancien Régime et la Révolution il y a très longtemps, mais sans le comprendre, parce qu'en fait, il parle de la Révolution française sans jamais citer Robespierre, Marat, Saint-Just, ou etc. quoi. Il ne parle pas du 14 juillet, il ne parle pas de l'abolition des privilèges. On se dit, qu'est-ce que c'est que ce livre sur la Révolution qui ne parle pas de la Révolution? Or, il ne parle que de la Révolution. Mais il faut avoir beaucoup lu sur la Révolution pour pouvoir comprendre le livre de Tocqueville sur la Révolution. Donc il n'était pas question pour moi de travailler sur de la démocratie en Amérique, ce n'était pas le sujet pour moi, mais j'ai relu ce texte précisément en me disant « mais bon sang, c'est bien sûr ». Et Tocqueville est un homme de gauche, récupéré par la droite. C'est-à-dire que dans le moment de la guerre froide, quand il y a des Raymond Aron et des Jean-Paul Sartre, il faut choisir son camp, c'est l'Union soviétique ce sont les États-Unis. Si c'est l'Union soviétique, c'est Marx. Si ce sont les États-Unis, c'est qui? Eh bien, c'est Tocqueville. Et Aron le sort des rayonnages poussiéreux, et d'un seul coup, Tocqueville devient le penseur libéral, anti-marxiste, qu'il faut relire ou lire, et finalement, on a une espèce d'équilibre intellectuel. Donc, évidemment, lire un Tocqueville récupéré par Raymond Aron, c'est pas exactement la même chose que lire Tocqueville véritablement. Et quand j'ai lu ça sans prévention, en me disant, je vais voir d'abord le texte, et moi, je fais toujours ce travail, on le sait un peu, c'est ma méthode, vous m'avez souvent posé la question, j'ajoute les correspondances et j'ajoute les biographies, je découvre que cet homme n'est pas un homme de droite, qu'il est d'une gauche particulière. Alors évidemment, il y a une gauche sociale libérale qui nous dit c'est notre gauche, il aurait voté Macron aujourd'hui, quoi. Non, il n'aurait pas voté Macron, je crois pas. Et quand on voit son voyage en Amérique, les travaux qu'il fait sur la paupérisation, sur la prison, sur les femmes qui abandonnent leurs enfants parce qu'elles sont des pauvresses, quand on voit tout ça, on se dit, mais c'est un travail de gauche. Quand il est élu député de la Manche, il veut siéger à gauche. Il dit à son copain qui est député de l'Orne, « Débrouille-toi, il va falloir que je sois du côté de mes électeurs, donc je vais les remercier, je ne pourrai pas être là tout de suite, etc. Mais trouve-moi un endroit où je puisse poser mes fesses, il le dit dans la correspondance, à gauche. Je veux que mon nom soit associé à la gauche, etc. » Et puis il fait un programme qui est un programme socialiste à l'époque, etc. etc. Donc je n'entre pas dans le détail, mais je veux dire que d'un seul coup, je me dis « Mais ce personnage doit être lu vraiment. » C'est-à-dire pas avec les lunettes marxistes qui en font un homme de droite, pas avec des lunettes aroniennes qui en font un homme un contre-marxiste d'une certaine manière, ou un contre-révolutionnaire. Il n'est pas contre-révolutionnaire, Tocqueville. Il nous dit une providence. Et la providence, elle va vers la réalisation de la démocratie. On ne peut pas faire rien, on ne peut rien faire contre ça. C'est ainsi. Et donc, tout ce qui advient, c'est la réalisation de la démocratie. Donc il croit en Dieu, il croit que le Dieu est providentiel, c'est la vieille théologie de Bossuet. Donc ce n'est pas du tout un contre-révolutionnaire, ce n'est pas quelqu'un qui dit « restaurons un ordre ancien, vive l'ancien régime », etc. Et lui-même le dit, dans l'ancien régime et la révolution, il dit « mais je suis allé plein de prévention contre l'ancien régime, pas contre la révolution, je suis allé travailler dans les archives, et il a remué des tonnes d'archives, et il dit « mais ce que j'ai découvert est stupéfiant ». Et ce que j'ai découvert, c'est ce que Tocqueville a découvert, c'est-à-dire le maillage provincial avant la Révolution française. Et il dit, le mal français, c'est le centralisme, et c'est pas le jacobinisme. Le jacobinisme, c'est un moment dans l'histoire du centralisme. Ça démarre avec Philippe le Bel. Et lui, mais ça continue avec Louis XIV. Ça continue avec la royauté. Et puis, il démonte le mécanisme en disant, voilà comment toutes les énergies de province, toutes les énergies rurales, toutes les énergies de campagne ont été comme aimantées par cette espèce d'aimant parisien qui a dit, tout vient là. Et tout doit être ici. Et maintenant, c'est ici que ça se fait, c'est ici que ça se pense, c'est ici que ça décide. Et donc, on absorbe les énergies de la province, et puis on régurgite un pouvoir en disant « vous allez faire ceci, vous allez faire cela, vous allez payer des impôts, vous allez faire ceci, vous allez faire cela ». C'est-à-dire que si on comprend ça, on comprend la Vendée, par exemple, présentée aussi comme un grand moment contre-révolutionnaire, parce que l'historiographie de la Révolution française, elle est faite par des marxistes, revue et corrigée par des marxistes-léninistes, et ça a infusé la totalité du XXe siècle, les Soboul, les Mathiez, etc. Donc ce sont des contre-révolutionnaires catholiques, monarchistes, etc. Au départ, ce sont des paysans qui disent « mais arrêtez avec vos impôts ».
Paris nous pressurise parce qu'il veut de l'argent, parce que Paris veut de l'argent pour aller mener des guerres révolutionnaires. Et qu'est-ce qu'on fait, nous ? On donne notre argent, on donne nos forces vives, les paysans, les travailleurs, et puis on laisse quoi ? La terre aux femmes et aux vieillards ou aux enfants qui ont 3, 4, 5, 6 ans. On ne veut pas de ça, donc on ne veut pas de ça. Ils ne sont pas contre la Révolution française ou contre la Déclaration des droits. Ils n'en ont rien à faire de ça. Ils disent juste, on veut juste travailler, bosser, etc. Donc quand on a compris effectivement qu'il y avait un vieux schéma centralisateur jacobin, que ce schéma jacobin a produit des effets intellectuels, parce que finalement l'histoire de France n'est pensée qu'à partir de ce schéma, alors d'un seul coup on se dit, mais effectivement, si nous faisions une histoire vue des provinces, vue des campagnes, on ne voit plus du tout la même chose. Mai 68, c'est Paris, le quartier latin. Ben, je regrette, moi j'étais en campagne, mai 68, ça a aussi lieu dans les campagnes. Mais on ne fait jamais l'histoire de mai 68 en province. Alors, Cohn-Bendit, Ruguet-Lussac, le préfet Machin, le général de Gaulle ceci, Baden-Baden, enfin on connaît l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans un village de 500 habitants, dans l'école, dans les couples, dans les foyers, dans la petite usine, dans le petit commerce? Qu'est-ce qui s'est passé avec mai 68? Et donc, ce texte-là, Décoloniser les provinces, d'abord, c'est un texte de Rocard qui s'appelait Décoloniser la province. Je n'ai pas eu l'autorisation de réutiliser le titre. Donc, ce sont des Mélenchoniens qui ont aujourd'hui le monopole de ce titre-là qui a été réédité. Donc j'ai dit, on va appeler ça les provinces, c'est pas un problème. D'autant que Rocard, c'est devenu autre chose après. Hein. C'était plus du tout la même chose. Mais cette idée me paraît extrêmement intéressante de dire, mais si nous regardions encore à nouveau l'énergie des provinces, et je pense qu'il y a plein de jeunes en province qui se font des choses formidables, qui sont actifs, dynamiques, qui en ont marre de la politique politicienne, et qui se disent, mais finalement, ici, dans le pays, on va créer un resto, créer un café, ouvrir une épicerie sociale, fabriquer des AMAP, faire un jardin potager partagé, et puis on va se rencontrer, et puis on va refaire des fêtes, et puis on va faire une garderie, et puis etc. etc. Et je dis, ben voilà, c'est le retour des Girondins, c'est-à-dire cette façon de faire de la politique, non plus à partir de Paris, d'autant que Paris, aujourd'hui, c'est Bruxelles. Je veux dire, c'est ça aussi le problème. Hein. Donc on dit, mais ça se décide à Paris, mais ce qui se décide à Paris a déjà été décidé à Bruxelles. Et puis après, ça finit dans les provinces, dans les campagnes, et la grand-mère qui a un lapin à vendre sur le marché, elle ne peut plus, parce qu'on lui dit, mais avez-vous le machin frigorifié 42 345B, estampillé par Bruxelles, qui vous oblige à, etc. En gros, il faut 50 000 euros de matériel pour vendre 3 lapins. Donc évidemment, vous ne vendez plus vos lapins, il n'y a plus de marché, il n'y a plus de lapins, il n'y a plus rien du tout, et voilà. Donc je dis, si nous pouvions recouvrer une espèce de souveraineté nationale, une souveraineté régionale, alors pour le coup, on pourrait redonner une énergie. Ce n'est pas redonner une énergie, parce qu'elle existe, l'énergie, mais redonner une forme à cette énergie. Sachant que, eu égard à cette souveraineté, elle est en deux temps. C'est-à-dire que vous dites bien en même temps qu'il existe un pouvoir local, il existe un pouvoir communal, etc., mais que dans son fonctionnement actuel, il est tellement tributaire, finalement, du caractère presque individuel de ce que sont les maires, de ce que sont les conseillers départementaux, comme on dit maintenant, l'absence de contrôle par les citoyens des pouvoirs communaux empêche en fait la réalisation de ce que pourrait être ce pouvoir communal, puisque comme vous le dites, l'énergie est là, la potentialité est là, mais il y a quelque chose qui ne se réalise pas, puisqu'elle est trop individualisée et trop tributaire d'un mode de fonctionnement qui lui-même est un héritage centralisateur, puisque on est toujours dans une étoile qui n'en finit plus à la fois et d'absorber et d'éloigner, et dans lequel la verticalité est absolument redoutable, et dont on n'arrive pas à sortir. Ce que vous dites est des choses extrêmement importantes. Vous l'avez commencé à l'évoquer avec Tocqueville, c'est que finalement, une fois encore, là vous faites une sorte de généalogie ou de contre-histoire politique qui va de la Boétie, les Girondins, Proudhon, la Commune, jusqu'à Alain, pour citer un autre philosophe normand, dans lequel vous montrez qu'il y a une autre hypothèse que cette hypothèse verticale et qui, comme vous dites très bien, pose un problème au-delà de la question centralisatrice, qui est que la fonction, la façon dont le pouvoir est structuré, même au niveau local, ne fonctionne plus. Alors vous avez utilisé un mot important qui est le mot vertical. Et moi je dirais que Tocqueville, quand il dit que ça démarre à Philippe le Bel, on pourrait dire mais ça démarre à Saint-Augustin. Et éventuellement même ça démarre à Saint-Paul. C'est-à-dire c'est la théocratie qui fait la loi chez les Jacobins. On a chez Saint-Augustin ce fameux livre dont tout le monde connaît au moins le titre, La Cité de Dieu.
Et il y a chez lui la cité de Dieu dont il estime qu'il y a un Dieu, évidemment, des archanges, et puis après ça, des trônes, des séraphins, etc. Ça s'appelle l'angélologie, la science des anges. Et Pseudo-Denis l'Aréopage a fait toute une théorie, un bouquin de 500 pages sur ce sujet-là, sur les formes d'anges, ce que sont les anges, comment ils sont, et la hiérarchie céleste. Hiérarchie, étymologiquement, le pouvoir du sacré. Et donc, il y a cette cité de Dieu. Eh bien, il faut que la cité des hommes lui ressemble. Donc, il faut que sur terre, on ait ce qu'il y a au ciel. Au ciel, on a un Dieu. Sur terre, on aura un roi. On a des archanges, qui, d'une certaine manière, la garde rapprochée. On aura exactement la même chose, l'aristocratie, etc., etc. Et ce schéma, il fonctionne, bon an, mal an, jusqu'à ce qu'effectivement, on commence à y toucher un peu au moment de la Révolution française. Rousseau y touche intellectuellement en 1762 avec le contrat social, mais il y a chez Rousseau aussi des considérations, profession de foi du vicaire savoyard par exemple, qui renvoient au déisme. Il n'est pas athée, Rousseau, il est même très opposé aux athées, il voudrait qu'on les condamne à la peine de mort. Et c'est la même chose avec Robespierre, qui envoie les athées à la guillotine. Parce qu'effectivement, il y a dans le jacobinisme cette idée qu'il faut encore un pouvoir centralisé, parce qu'il nous faut l'équivalent d'un roi, l'équivalent d'un monarque, l'équivalent d'un prince, qui soit le concentré de la souveraineté. Et la souveraineté, c'est ça. La souveraineté, elle réside, et on est dans la Ve République et avec la récente élection de Macron, on est là-dedans. Le général de Gaulle, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il faut concentrer la souveraineté populaire dans un individu qui sera élu dans le principe de la volonté générale, qui n'est pas la somme des volontés particulières, mais la somme des volontés particulières en tant qu'elle s'exprime dans le sens de l'intérêt général. Ce n'est pas la somme des égoïsmes, c'est la somme de la volonté de chacun en tant que chacun pense au bien-être de la collectivité. Ça, c'est un schéma, c'est le schéma dominant. Le schéma alternatif, c'est un schéma franchement athée. C'est-à-dire, pour le coup, non pas vertical, mais horizontal. Non pas transcendant, mais immanent. Il faut des plans d'immanence qui nous permettraient de dire « pensons les choses à hauteur d'homme, d'une certaine manière, et pas en regard de Dieu ». Ce qui veut dire que, de fait, c'est ce que vous disiez dans le début de votre question, un conseil municipal est structuré comme le ciel de Saint-Augustin. Il y a un moment donné où le maire, c'est le maire, puis après, premier adjoint, deuxième adjoint, puis les conseillers municipaux, et voilà. Et on retrouve cette espèce de pyramide, et quand le maire est élu, l'affaire est réglée, on reverra ça un petit peu plus tard, aux prochaines élections, mais en attendant, il a le pouvoir. Ce que je propose, c'est qu'effectivement, il y ait des espèces d'agora, de forums, nommons ça comme on voudra, mais qui soient des lieux de débat dans lesquels chacun est susceptible de venir, y compris même éventuellement des jeunes hommes ou des jeunes filles, je veux dire des 15 ans, 16 ans, 17 ans, écouter, prendre la parole, dire des choses, et qu'il y ait de la délibération. Et qu'au moment de la délibération, il y ait transfert d'une souveraineté à l'endroit d'une personne qui va se trouver porteuse de cette souveraineté. Sauf que nous serions dans une logique de mandat impératif. On appelle mandat impératif cette idée qu'on donne mandat à quelqu'un pour qu'il nous représente. Quand il ne nous représente pas, en cours de route, eh bien on retire le mandat en disant « t'as été élu pour faire ça, tu ne le fais pas, on reprend le mandat, on va le redonner à quelqu'un d'autre ». Ce qui veut dire effectivement qu'un jour, c'est l'un qui va disposer d'une souveraineté. Si par exemple, on a décidé que dans un village, on allait faire une crèche et qu'on avait envie de décider que, etc. Mais il se peut que ce soit une dame qui va devenir la responsable de ce projet et qui sera porteuse de la souveraineté, de la totalité, et dire eh bien, vous vous occupez de cette aventure-là. Et puis, si un jour, il y a une histoire de, je sais pas quoi, de remembrement ou d'utilisation d'une terre à destination plutôt de ceci que de cela ou je ne sais pas quoi, plutôt les paysans et dans les paysans, l'un d'entre eux qui, etc. Et donc, ça bouge, ça change. Ce communalisme libertaire, il fait qu'on peut disposer de gens qui, évidemment, sont élus après qu'il y ait eu délibération. Et ces gens qui sont élus, ils sont susceptibles de rendre leur mandat si, en cours de route, ils ne portent pas le mandat. On sait bien que dans la cité grecque, qui n'est pas si démocratique que ça, je veux dire, la moitié, déjà, les femmes ne sont pas des citoyennes, donc 50%. Les métèques, les étrangers domiciliés, ne sont pas des citoyens. Les enfants qui ne sont pas issus de parents citoyens ne sont pas eux-mêmes citoyens. Donc la démocratie grecque, elle est assez peu démocratique, elle est assez aristocratique et souvent très plutocratique. Mais on pourrait imaginer à ce moment-là qu'effectivement, il y ait des organisations véritablement démocratiques, parce que je persiste à croire que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Et que ça n'est pas le pouvoir du peuple par ses représentants et éventuellement contre le peuple. Quand en 2005, on dit « vous avez voté pour un référendum », vous avez dit « non, nous ne voulons pas d'une formule libérale à l'Europe »,
ce que les tenants de l'Europe libérale appelaient « dire non à l'Europe ». Ce n'était pas « dire non à l'Europe », c'était « dire non à sa formule libérale ». Eh bien, on a dit « vous l'aurez quand même ». Quelques temps plus tard, traité de Lisbonne, 2008, et on l'a tout de même, on a même un Giscard d'Estaing qui est quand même très défenseur de cette Europe libérale et qui dit dans le point « c'est le même texte ». On a juste interverti deux ou trois chapitres. Deux ou trois paragraphes, juste pour pouvoir dire formellement que ce n'était pas le même texte. On dit, ben, à l'époque, Parti socialiste et UMP en tête, à l'époque, des gens qui n'étaient pas grand-chose et qui sont devenus pour l'un président de la République, Sarkozy, pour l'autre président de la République, Hollande, et qui sont des gens qui ont dit, le référendum, eh bien, on fait comme s'il n'avait pas eu lieu. Eh bien, effectivement, là, on voit bien que la caste politique, la caste des gens qui sont censés représenter, du moins, s'est constituée comme une caste qui ne rend de compte à personne et qui ne veut pas rendre de compte au peuple, sauf au moment où il s'agit d'être réélu, où pour le coup, on en fume, on embrouille, on oublie, on explique que, on raconte que, puis on finit par se faire avoir, puis on finit par redonner des mandats parce qu'on dit « Ah bah ouais, mais moi j'ai toujours voté à gauche, moi j'ai toujours voté à droite, moi j'ai toujours voté socialiste. Bon, bah, et puis voilà, quoi. » Et ça continue comme ça. Non, je dis juste, il y a un moment donné que on doit pouvoir retrouver une autre formule qui s'inspirerait des premiers moments de la démocratie occidentale, outre, je parle du modèle judéo-chrétien, encore qu'on est dans des logiques païennes, qui sont les parlements islandais. Il y a en Islande une formule extraordinaire de démocratie directe, avec des gens qui se réunissent dans un endroit qui est magnifique en Islande, enfin une espèce de cirque naturel, où on parle, où on dit, où on aborde les questions, où on discute, où on tranche, puis quand on a tranché, on décide, et décision. Alors, justement, puisque le temps file, ce personnel politique dont vous dites qu'effectivement il revient se représenter à nous tous les 4, 5, 6 ans, afin de se faire réélire, vous en dressez un portrait particulièrement acide dans la cour des miracles, dans lequel vous cédez à ce que vous appelez un exercice voltairien. Vous avez un très beau début de livre où vous opposez de façon, on va dire, assez classique, mais en l'associant à l'idée de l'âge et des âges de la vie, Voltaire et Rousseau, en expliquant que Rousseau, il faut peu de poils au menton et que plus il en pousse, au moins, même si c'est possiblement, plus on devient voltairien et que la vie vous a converti, voilà. Vous êtes un poilu d'esprit, Michel. Que la vie vous a converti à Voltaire et qu'il s'agit, puisque depuis 2005, pour la raison que vous avez évoquée là, vous considérez que le vote n'a plus aucune fonction, puisque de toute façon, quand on vote, on est tout à fait privé de sa voix, vous décidez de faire une sorte de... Alors, est-ce que c'est un chamboule-tout? Est-ce que c'est une sorte de critique généralisée? Ou est-ce que c'est... plus finement, l'idée de démonter l'espèce de petit cirque dans lequel fonctionne la vie politique. Il m'a semblé que, plus que la caricature, parce qu'en fait, finalement, vous ne caricaturez pas tant que ça, c'est vous mettez la loupe sur le point de détail, que ce soit la crevette dans la salade végétarienne de Mélenchon, ou d'autres éléments de discours qui servent à dire ces choses-là existent. On fait comme si elles n'existaient pas, mais si on les regarde attentivement, en fait, les masques tombent d'eux-mêmes. Et c'est essentiellement une opération de dévoilement. Oui, c'est très flaubertien. Enfin, Flaubert dit « Regardez n'importe quelle chose banale, elle va finir par vous raconter des choses extraordinaires ». Et il y a effectivement des moments comme ça où tout le monde aura vu Mélenchon avec ce fameux triangle rouge, là, et personne ne se sera posé la question du triangle rouge. Et moi, j'ai vu l'inventeur de ce triangle rouge en Belgique, et c'était le triangle rouge que portaient les déportés dans les camps de concentration. Je trouve éminemment obscène qu'on puisse, dans une campagne présidentielle, dont le risque pour Mélenchon était d'obtenir le journal de 20 heures, ou une invitation supplémentaire chez Pujadas, on puisse s'assimiler à des gens qui risquaient leur vie, parce qu'ils défendaient des idées de gauche la plupart du temps. Il faut être sérieux. Personne ne viendrait avec une étoile jaune en disant « moi je viens avec une étoile jaune » parce qu'on lui dirait « écoutez, c'est de l'obscénité ». Je trouvais effectivement, et je trouve toujours parce qu'il la porte sans cesse là, je trouvais obscène ce triangle rouge parce que dans une dictature où on envoie les opposants à la chambre à gaz, eh bien c'est pas exactement la même chose que dans une démocratie où on peut s'exprimer, y compris dire des choses extravagantes que sur Castro, sur Robespierre, etc., sans risquer grand-chose. Hein. Donc effectivement, je ne fais que porter la loupe, ou le doigt, pas forcément, je grossis pas forcément, je dis, regardez là,
Regardez ce qui se passe. Voilà. Regardez ici, regardez. Alors, je ne sais plus combien de chapitres, mais à chaque fois, des petites choses. C'est dans les petites choses, un peu comme Barthes dans ses mythologies, qu'on voit des choses terribles, quoi. On se dit, bourrage d'urne, par exemple, au Parti Socialiste. Extraordinaire. On se dit, mais on nous fait savoir qu'il y a X participants. Puis à un moment donné, on nous dit finalement, oui, il y a bientôt tant de participants. Puis le lendemain, on dit, il y a un moment donné où ça va pas, quoi. Et on nous fait savoir que, oui, il y a eu un bug informatique. Parce que les gens qui ont obtenu le marché, je veux dire, quand vous faites une primaire et que vous avez une boîte qui est censée travailler à l'informatique pour obtenir les résultats, c'est un jour bien précis, bah, à minuit, ils sont allés se coucher. Et puis, bah, il faut dormir. Hein. Et donc, et puis ils sont revenus le matin au turbin, puis à 7 heures, ils ont repris les calculs, puis ils sont aperçus que... Enfin, qui peut croire ça, quoi ? C'est un bug organisé. Les gens qui étaient censés s'occuper, et toutes ces choses-là, moi, je n'ai pas de tuyau particulier, mais les gens qui s'occupaient du bon fonctionnement de ces élections au Parti Socialiste sont des gens qui ont déjà été pris la main dans le sac pour avoir bourré les urnes au moment où il a fallu au Parti Socialiste évincer Ségolène Royal au profit de Martine Aubry. Ce sont ces gens-là qu'on est allé chercher comme garantie du fait que ces primaires se passeraient bien et correctement. Or, elles se sont mal passées. Et qu'a-t-on dit, qu'a-t-on fait ? Rien. Rien. Jean-Pierre m'a fait l'amitié de me dire une chose qu'il a redite après, donc je peux me permettre de le dire, mais on peut effectivement croire dans cette configuration que Hamon avait été choisi pour perdre. Donc j'ai dit depuis très longtemps que je ne voterai pas parce que le résultat des élections était déjà connu, et j'ai parié des caisses de champagne, j'en ai pas vu une arriver. Et je devrais pourtant en avoir quelques-unes. J'ai dit, mais moi, je peux vous dire quelle... personnage sera élu président de la République. Ah oui, qui, etc. On aura un type qui défendra l'Europe, l'euro, le libéralisme, le marché, etc. Après, il s'appellera Fillon, il s'appellera comme on veut, mais on aura ça. Tout sera fait comme ça. C'est-à-dire, on va faire monter Marine Le Pen pendant tout ce temps-là, parce qu'il faut qu'elle soit au second tour. Il faut absolument qu'elle soit au second tour. Mais en même temps, il faut la criminaliser. C'est-à-dire, d'un côté, on dit, mais elle est démocrate, puisqu'on la laisse faire, elle a des affiches, elle s'exprime, elle a les subventions, personne ne l'interdit. Bon, voilà, donc ça paraît légal, tout ça. Et puis, une fois qu'elle est au second tour, qu'est-ce qu'on fait ? Le candidat Macron s'en va à Oradour-sur-Glane, pour dire, vous avez bien vu, hein, Marine Le Pen, Das Reich, au cas où vous n'auriez pas compris. Et le lendemain, il en remet un petit coup, il s'en va au musée de la Shoah. Non, on n'avait pas compris, 6 millions de morts, Marine Le Pen. Hein. Donc ne vous trompez pas dimanche, hein. Il faut voter. Vous avez le choix entre Adolf Hitler et le général de Gaulle. Eh bien, ça marche. Et donc, effectivement, cette confiscation d'Oradour-sur-Glane, cette confiscation du musée de la Shoah, comme la confiscation des déportés politiques chez Mélenchon, tout ça est d'une grande obscénité. C'est d'une grande obscénité. On est des grands garçons, des grandes filles. On est capable de juger sur un programme, de juger ce qui se trouve dit, sans qu'on soit manipulé, sans qu'on ait besoin de nous mettre sous le nez la Shoah, Oradour-sur-Glane, les déportés politiques, et laisser les morts en paix. Ne profanez pas les tombeaux des morts, qu'ils aient été communistes ou juifs, qu'ils aient été francs-maçons radicaux de gauche, qu'ils aient été, comme on voudra, homosexuels. Laissez-les dormir en paix. Et puis faites votre élection, puis allez-y avec des idées. Donc effectivement, cette obscénité m'a gêné, et de temps en temps, j'ai mis le doigt sur ce genre de choses en disant, bah, regardez ici, regardez là, etc. Donc je n'ai pas voté, non pas parce que je n'aime pas le vote, je trouve au contraire que c'est une magnifique chose, mais simplement parce que ce sont les politiciens qui n'aiment pas le vote. Quand on dit, mais faites votre devoir de citoyen, mais j'ai dit, mais commencez d'abord par faire votre devoir de citoyen. Quand on est président de la République, on est aussi un citoyen. On est peut-être même le premier des citoyens. Eh bien, on n'a pas à dire « je fais un référendum ». S'il est positif, je le garde. S'il est négatif, je le prends pas. Ça n'est pas faire son devoir de citoyen. Donc quand il y a rupture de contrat social, pourquoi est-ce qu'on devrait continuer à y aller, nous, en sachant très bien qu'à chaque fois, et regardez avec le Brexit encore, à chaque fois qu'il y a un certain type de vote, des gens qui s'opposent à l'Europe libérale, on fait toujours un contre-vote. Theresa May, elle a une majorité, elle a même une majorité absolue pour mener le Brexit, qu'elle mène le Brexit et qu'on n'en parle plus. Non, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait des élections. Qu'est-ce qu'elle peut espérer de plus qu'une majorité absolue qu'elle avait déjà ? Elle peut juste avoir une majorité qui n'est plus absolue, voire plus de majorité. Tsipras, il est élu, exactement pour le même projet. Qu'est-ce qu'il fait ? Un référendum pour savoir si on l'aime bien.
un deuxième pour savoir si on l'aime bien encore et toujours. On dit, mais vas-y, mon garçon, on t'a élu pour un projet qui est de faire ce que tu avais promis de faire avec l'Europe. Non, pas du tout. On refait des votes pour faire de telle sorte qu'on dilue et qu'on... Il y a des endroits au Danemark ou ailleurs, on dit, vous votez, vous êtes contre, bon, on va refaire un vote, jusqu'à ce que vous soyez pour. C'est drôle quand il y a un vote pour Maastricht et qu'il est très court. Moi, je dis très court, il faudrait même voir si vraiment il est si court que ça et s'il a vraiment penché de ce côté-là. Mais quand on fait un vote pour Maastricht, on n'en refait pas un 6 mois plus tard. On dit, on va vérifier si vous êtes vraiment pour Maastricht. Hein, on va en refaire un parce que... Non, jamais. Donc je dis, effectivement, tout est fabriqué pour nous inviter à ne pas penser, pour nous inviter à obéir, pour nous inviter à nous comporter en consommateurs. Il y a Bernays, qui faisait partie de la famille de Freud, a écrit un livre qui s'appelait « Propaganda », qui est extraordinaire, et qui nous explique comment il a fabriqué des fumeurs. C'est lui qui, d'une certaine manière, a rendu désirable ce produit toxique qu'est le tabac, et notamment pour les femmes. Et ce type s'est mis à faire de la propagande pour la politique. Et les Américains se sont mis à faire de la propagande pour la politique. Avec Mitterrand, on a eu ces gays-là. Et on a aujourd'hui, dans toutes les chaînes en information continue, des publicitaires qui viennent nous parler de politique. Mais enfin, des publicitaires qui viennent nous parler de politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire effectivement que les publicitaires font la politique. Donc on a des sémioticiens, on a des spécialistes du langage de ceci, on a des spécialistes du langage corporel qui viennent nous parler de la politique. Mais si nous parlions vraiment de cité, de civisme, de citoyenneté, etc. Donc je dis effectivement, si vous voulez réconcilier les citoyens avec l'élection, plus de 50% de gens qui ne sont pas allés voter. Si vous voulez vraiment les réconcilier avec la cité, le civisme, la citoyenneté, la République, ce que je souhaite, eh bien, effectivement, commencez par dire, le problème, c'est pas de savoir s'il faut moraliser la vie politique en faisant ceci ou cela, un député n'aura plus le droit d'être maire. C'est pas ça, le problème. C'est juste de dire, honorez vos engagements, tenez vos engagements, et puis vous verrez, ce sera très facile, ou éventuellement, passons au stade au-dessus et tâchons de voir si un autre logiciel, qui serait le logiciel girondin, ne pourrait pas, franchement, pour le coup, vous réconcilier avec l'élection. Bien, justement, puisque la discussion prend ce tour, dans ce livre, donc, qui est, comme nous l'avons évoqué, assez caustique, il y a une personne qui échappe à votre causticité, justement, et qui est Jean-Pierre Chevènement, qui va désormais venir échanger avec vous de façon à ce que vous puissiez échanger sur ces questions politiques. Avant que Jean-Pierre arrive, oui. Je voudrais dire que c'est un grand honneur que Jean-Pierre ait accepté de venir. Moi, je trouve que Jean-Pierre fait partie des hommes qui sont entrés dans l'histoire de leur vivant, qu'on l'a vu au moment où il a eu cet accident d'opération. Enfin bon, moi je me souviens très bien, j'étais en train d'éplucher des légumes pour faire à manger et j'écoutais encore à l'époque France Inter et donc j'ai appris ça et je me suis dit ah non pas lui. Et une grande partie de la France a pensé la même chose, y compris des gens qui n'étaient pas forcément du bord politique de Jean-Pierre, parce qu'il y a effectivement chez lui un sens de l'État, de la République, de l'histoire, toutes choses qui ont été montrées et vues pendant longtemps. Il y a un trajet, il y a un parcours. Et de fait, vous avez raison de dire que Jean-Pierre Chevènement est un grand homme. Je ne dis pas beaucoup ça pour beaucoup de gens, parce que pour ses idées, pour son comportement, pour son trajet, pour ce qu'il a fait. Et j'estime effectivement que... on ne va pas faire l'histoire du nez de Cléopâtre, mais je veux dire, il s'en est fallu de peu que la pensée de Jean-Pierre Chevènement ne puisse diriger la France ou inspirer la France à une époque. Et il y a eu vraiment, sur la lame, sur le couteau, comme ça, un passage où c'était sortir de l'Europe, pas sortir, continuer cette Europe ou pas continuer, monnaie unique ou monnaie commune. Enfin, le destin de l'histoire de France, une grande partie du destin de l'histoire de France s'est joué à ce moment-là. Jean-Pierre Chevènement était un homme clé de ce moment-là. Mitterrand a choisi, il a tranché pour ce que l'on sait. On ne va pas refaire de ce qu'on appelle des uchronies, c'est-à-dire imaginer que, je ne sais pas quoi, Mitterrand fait un infarctus, qu'il y a une élection dans les 8 jours et que Jean-Pierre Chevènement devienne président de la République. Mais ce serait très intéressant de voir ce qu'aurait été la France si elle avait conservé sa souveraineté, sa dignité, le sens de la grandeur, le désir d'inscrire son trajet dans l'histoire, parce qu'effectivement, on est passé à côté. Donc après tout ça, Jean-Pierre peut venir s'il le souhaite. Défendre la manière dont on se place.
Je demande à Jean-Pierre s'il a une préférence pour les fauteuils droite ou gauche. Là, je suis à ta gauche. Oui, tu es à ma gauche. Mais pour la salle, je suis à gauche et toi à droite. C'est ça qui compte. On sent le républicain, là, qui est capable de... Je voudrais dire d'abord que je ne mérite pas du tout les éloges que tu as faits, parce que ce n'est pas juste, tout simplement. Je pense que je n'étais pas, en 1983, dans une position de compétition avec François Mitterrand. J'avais consacré une partie de ma jeunesse à l'aider à devenir le premier secrétaire du Parti socialiste, sur la base d'une ligne politique qui était l'union de la gauche sur un programme commun, ensuite à venir au pouvoir, 1981, mais je n'ambitionnais pas d'être président de la République avant, et après, certes j'étais ministre d'État, etc., mais je n'avais pas de majorité dans le Parti socialiste, et même dans la gauche, je dirais, pour prétendre à la succession de Mitterrand. Donc j'essayais de peser, d'infléchir et de proposer quelque chose de logique. Et il a un peu hésité pour savoir s'il devait ou non sortir du système monétaire européen, ce qui était la position officielle du Parti socialiste. Mais finalement, il a été retourné par un certain nombre de considérations sur lesquelles on pourra venir par la suite. Hein, donc, Tout de suite, moi, je veux bien qu'on parle du retournement et de la façon dont ça s'est fait. C'est une question que j'avais à te poser, justement. Oui, d'abord, François Mitterrand n'avait pas l'idée d'une autre Europe que celle qui existait depuis Jean Monnet, de l'Europe où la Commission avait un rôle prééminent, puisqu'elle a le monopole de la proposition en matière de directives et de règlements. Et une Europe qui est sous l'aile américaine. 1981-83, c'est aux États-Unis Reagan, en Grande-Bretagne Thatcher. Et la question qui se pose, c'est de savoir si l'Union européenne va basculer en direction du néolibéralisme ou si, au contraire, elle maintiendra un modèle qui serait un modèle mixte, un modèle d'État stratège, par exemple. Au niveau de la politique industrielle. À l'époque même, on parle du modèle Rhénan. Mais les gens qui nous parlent du modèle Rhénan le font avec, c'est Michel Albert, le font avec une idée derrière la tête, c'est qu'ils veulent nous imposer, en quelque sorte, de suivre l'Allemagne. Alors l'Allemagne n'est pas encore en position de force, parce qu'elle est encore l'Allemagne divisée, mais ça va durer très peu de temps, et toute la géopolitique européenne va être modifiée en 1989 avec la réunification de l'Allemagne, l'élargissement de l'Europe vers l'Est, qui procure à l'Allemagne des zones de main-d'œuvre à bas coût. Donc on change d'univers. Et c'est vrai que François Mitterrand souhaitait rester dans le cadre de cette Europe. Il aurait pu lui donner un autre contenu. Il n'avait pas, à mon avis, suffisamment réfléchi à la question. Il était très hésitant. Ce n'était pas un économiste, Mitterrand. C'était un homme politique. Il avait une culture littéraire, une culture historique. C'était un homme de grande expérience, qui avait beaucoup de qualités, quelques défauts sans doute, mais beaucoup de qualités. Donc il était quand même très hésitant. Et il a consulté autour de lui. Il y a des gens qui étaient pour la sortie, au moins provisoire, du système monétaire européen. Je dirais, le plus déterminé, c'était quand même moi. Il y avait un de ses amis proches, Jean Ribou, qui était le patron d'une multinationale dont le nom me sort de l'esprit, Schlumberger, qui avait beaucoup d'influence sur Mitterrand. C'était un ancien déporté, un grand bourgeois lyonnais, mais qui était resté proche de certains communistes, un esprit assez libre. Et puis, je veux dire, les communistes s'étaient mis aux abonnés absents. Au sein de la majorité du Parti socialiste, Fabius, au départ, était pour. Et puis, c'est sous l'influence de Candessu, qui était le directeur du Trésor, du gouverneur de la Banque de France, de la Génière, que Mitterrand, finalement, sous la pression de Delors et de Kohl, qui venait d'être élu chancelier
de l'Allemagne fédérale, a opté pour rester dans le système monétaire européen. Disons qu'il avait pour cela aussi, dans le Parti socialiste, le soutien de tout ce qui était plutôt l'aile modérée du Parti socialiste, Michel Rocard. Mais l'homme qui a joué le rôle le plus déterminant, c'est évidemment Delors, qui, sur la base de ce grand fait d'armes, va devenir président de la Commission européenne un an plus tard. Donc, voilà, les choses sont en effet sur le fil du rasoir. Au début des années 80, si on veut comprendre aujourd'hui notre histoire, il faut comprendre cela. Parce que le choix de la monnaie forte entraînait la continuation de la désindustrialisation de la France, qui avait commencé sous Giscard depuis les années 74-75. C'était aussi une grande mutation du système capitaliste, le début des délocalisations industrielles, la mise en concurrence de tous les territoires, des mains-d'œuvre. Et le choix de la monnaie forte, évidemment, nous mettait du côté de ceux qui avaient des avoirs, des actifs, mais pas du côté des travailleurs qui avaient besoin que l'économie reste compétitive pour conserver du travail. Donc, notre industrie, qui à l'époque employait près de 6 millions de personnes, et qui aujourd'hui en emploie moins de 3 millions, elle a fait les frais de ce choix fondateur, dont la suite est bien connue, l'acte unique, qui est un acte de dérégulation. On se met à l'unisson des anglo-saxons, on libère les mouvements de capitaux à l'égard du monde entier, hein, pas seulement en interne, mais aussi à l'égard des pays tiers, et ça, ça prend effet au 1er janvier 1990. Ensuite, c'est la monnaie unique, qui pour moi est une erreur de conception, parce qu'elle rassemble des économies trop hétérogènes, donc elle va créer des divergences et non pas des convergences. Je pourrais développer longtemps, mais j'ai voulu rectifier un peu ce que tu as dit de trop élogieux, parce que je pense aussi que ce n'était pas tout à fait exact, et que je n'avais pas, à l'époque, j'avais 42 ans en 1981, je n'avais pas l'expérience et la carrure qui, à mes yeux, me permettaient de prétendre à devenir président de la République. J'ai pensé que je l'aurais pu le faire, mais j'avais laissé passer... Pardon. J'avais laissé passer les échéances raisonnables. Hein, je rappelle que François Mitterrand est mort en 1996. Hein, donc j'ai été candidat en 2002, et d'une certaine manière, j'ai ouvert une voie, parce qu'il fallait casser le monopole du bipartisme qui s'était installé sur la Ve République, avec d'un côté le PS... et de l'autre, le RPR, qui s'était adapté aux institutions qu'avait voulu le général de Gaulle, mais dans un tout autre esprit, parce que le général de Gaulle voulait que le président de la République fût l'homme de la nation, et il se considérait comme tel, et il voulait écarter le régime des partis. Mais au lieu d'écarter le régime des partis, qu'il assimilait à la 4e République, il a permis aux partis de s'adapter aux institutions de la 5e République. Le Parti socialiste désigne son candidat, François Mitterrand, à sa tête, et à droite, Jacques Chirac, en 1976, crée le RPR, qui va le mettre au pouvoir en 1995. Donc on peut dire que les partis reprennent leur ascendant sur les institutions qu'avait voulu le général de Gaulle. Il faut toujours se rappeler aussi que l'élection au suffrage universel, décidée par le général de Gaulle en 1962, était faite pour déjouer le complot dit de l'ALMA, le dîner de l'ALMA, où de Pinet à Guimolet, tous les chefs de la 4e République s'étaient entendus pour propulser à la présidence de la République en 1965, sur la base d'un collège de grands élus, de 90 000 élus, hein, quelqu'un qui n'aurait pas cassé une patte à une mouche, mais qui les arrangeait tous. Et de Gaulle a donc... voulu instaurer l'élection du président de la République au suffrage universel. Mais celle-ci n'a pas empêché la création d'un bipartisme qui, au fond, s'entendait très bien pour perpétuer la même politique, puisqu'ils étaient d'accord au moment de l'acte unique, qui est vraiment quelque chose de très sous-estimé encore aujourd'hui, hein, qu'on appelle le traité de Luxembourg, négocié en 85 par la gauche, mais ratifié en 87 par une assemblée à majorité de droite, et qui est le grand acte de dérégulation. Et ces deux partis faisant finalement la même politique, les Français
les rejettent tour à tour, font appel à l'autre, et ça se produit une première fois en 1986. C'est Chirac qui gagne les législatives. En 88, Mitterrand gagne les présidentielles. En 93, c'est la droite. Le Parti socialiste a failli alors disparaître. Il n'avait plus que 57 députés. Puis en 97, dissolution ratée de Chirac, c'est la majorité plurielle avec Lionel Jospin. 2002, c'est Chirac qui revient au deuxième tour avec 82% des voix. C'est Sarkozy. Le Parti socialiste, quand même, qui est un peu déconsidéré, doit attendre 10 ans dans l'opposition, grâce au talent d'un excellent médecin anesthésiste réanimateur, qui s'appelle François Hollande, qui est son premier secrétaire, donc qui le met sous cloche, survit à la candidature de son ancienne femme en 2007, revient à la tête du Parti socialiste, négocie avec Sarkozy le traité de Lisbonne qui reprend les termes du traité constitutionnel européen rejeté par le peuple. Puis à un moment, il faut quand même qu'au bout de 10 ans, il laisse la place. Il y a un intermède avec Martine Aubry, mais il revient en 2012, 5 ans, où le Parti socialiste est à nouveau maintenu sous perfusion. Et évidemment, arrive 2017, c'est-à-dire aujourd'hui, et un malade maintenu sous perfusion, sous morphine, pendant 15 ans, il ne peut que défuncter. Et à droite, ils ne sont pas dans un tellement meilleur état. On n'a pas beaucoup parlé de la candidature de François Fillon. Mais finalement, Macron réussit à repousser les deux forces qui avaient confisqué le système et qui, par un jeu de bonneteau, par une sorte d'effet essuie-glace, tenaient le système depuis 30 ans. Mais il faut le dire, à ma décharge, ils étaient beaucoup moins fatigués en 2002 qu'en 2017. Donc il était quand même plus facile de les écarter en 2017. Mais ce n'était pas évident. Il fallait quand même beaucoup de talent, beaucoup de détermination. Et ça, on ne doit pas enlever à Macron ses qualités, car il a fallu d'abord non seulement qu'il entre au gouvernement, mais qu'il crée un parti, qu'il sorte du gouvernement, qu'il annonce sa candidature et qu'il conduise François Hollande à renoncer à se présenter. Ça, ce n'était pas du tout acquis au départ. Et à partir du moment où François Hollande avait renoncé à se représenter, en effet, le Parti socialiste a fait le choix que tu as dit, c'est-à-dire qu'il a choisi quelqu'un qui le ferait perdre, mais à gauche, parce qu'il pensait que pour se reconstruire ensuite, il fallait tomber à gauche. Mais il était fait pour perdre. Et Hamon n'a pas été choisi pour gagner. Il n'y avait d'ailleurs pas l'étoffe d'un président de la République. Et pour être à gauche, il a inventé une idée, à mon avis, qui était une idée creuse, le revenu universel, où on mettait les gens à la retraite avant même qu'ils n'aient pris un emploi. Mais comment faire tenir ensemble tout ça ? Donc voilà, c'est un paysage que j'ai voulu redessiner. Je pense que si j'avais vraiment voulu être président de la République, j'aurais dû être candidat en 1995. Mais j'avais eu l'erreur avec le mouvement des citoyens que j'avais créé en 1993 de conduire la liste aux européennes, où j'avais fait un score modeste, il faut bien le dire, un peu plus de 2,5% des voix. Donc avec ça, je pouvais aller me rhabiller. Il est vrai que j'avais voulu faire une liste paritaire avec Gisèle Halimi, avec Anicet Le Pors qui venait du Parti communiste, avec le général Gallois qui était plutôt un gaulliste, enfin quelqu'un qui représentait cette inspiration. Donc j'avais fait une liste de briques et de brocs qui me donnait beaucoup de travail en interne et qui m'a empêché, en définitive, compte tenu de la faiblesse de mes moyens aussi, de percer. Et puis Mitterrand, à l'époque, jouait contre Rocard, qui était le candidat du Parti socialiste, la carte Tapie, qui a fait 12%. Tapie, qui était à ce moment-là au Parti radical de gauche. Mais enfin, ça veut dire rien du tout. Donc voilà, je vous ai dessiné une
un bref résumé de notre histoire politique pour me remettre à ma place, qui est beaucoup plus modeste que celle qu'a évoquée mon ami Michel Onfray. Non, moi je persiste quand même. D'abord, c'était une uchronie, hein, c'était une fiction. Mais ce qui n'était pas une fiction, c'est que tes idées auraient pu triompher. On peut imaginer, parce que tu dis beaucoup que Mitterrand ne savait pas quoi choisir. Il écoutait. Faut-il sortir du serpent monétaire européen? Faut-il y rester? Il avait l'air très très indécis. Et à ce moment-là, il n'était pas interdit que tes idées gagnent. Ça aurait supposé chez Mitterrand une détermination que nous pouvions lui prêter, parce que nous l'avions aidé à venir au pouvoir. Nous avions apporté la pointe décisive au congrès d'Épinay, car Mitterrand avait 45% des mandats dans le Parti socialiste, et Guy Mollet et Savary à peu près autant, un peu plus même. Et le CRS représentait, qui était le courant que j'animais, représentait 8,5. Mais ces 8,5 faisaient la décision. Ce qui fait qu'on a pu imposer un système interne, la proportionnelle, qui nous favorisait, puisqu'il nous maintenait en position charnière, en position clé, pendant les 2 ans qui nous séparaient du congrès suivant. Et d'autre part, nous avons imposé notre ligne politique, qui était le programme commun sur la base d'un programme socialiste que Mitterrand m'a chargé de rédiger. Il s'appelait « Changer la vie », etc. Bon, un an après, quand même, il y avait le programme commun. Et une formidable dynamique qui inquiétait beaucoup Mitterrand, parce que Mitterrand voulait reconstituer, nous aussi d'ailleurs, un grand parti socialiste, mais il ne voulait pas se faire bouffer par le Parti communiste. Donc le mot d'ordre de Mitterrand, si je peux le dire maintenant, le moment des anecdotes est venu. Mitterrand disait « le plus possible de programmes communs, mais le moins possible de réunions communes ». Et il en a accepté une seule, au Palais des Sports, et où j'avais composé une espèce d'immense calicot qui exprimait d'ailleurs la diversité de points de vue entre les socialistes et les communistes. Il y avait « Vivre mieux », qui était la revendication du Parti communiste, qui pensait pouvoir d'achat, etc. Et puis « Vivre autrement », qui était à l'époque l'idée qui sous-tendait le programme socialiste « Changer la vie ». Alors on avait ce grand calicot « Vivre mieux, vivre autrement », c'était pas contradictoire. On pouvait à la fois faire l'un et l'autre. Donc, je rappelle cette histoire en disant qu'il aurait fallu que Mitterrand soit très soucieux de sa propre gloire, et au lieu de faire ce dérapage, si je puis employer ce terme emprunté au ski, qui nous a conduit de la transformation de la société française vers le choix du néolibéralisme maquillé aux couleurs de l'Europe, parce qu'en réalité, c'est ce qui s'est fait, ce que j'ai essayé de vous expliquer. J'espère l'avoir fait d'une manière suffisamment claire pour que je n'ai pas besoin d'y revenir. Mais ce dérapage, Mitterrand l'avait probablement à l'esprit depuis longtemps. Mais il ne voulait pas manquer non plus aux attentes de son électorat, en tout cas ne pas y manquer trop. Car Mitterrand n'était pas comme Chirac qui a tourné le dos tout de suite à son programme qui était de résorber la fracture sociale en 1995. Dès le mois d'octobre, c'était le plan Juppé qui mettait la France dans la rue. Hein, enfin, mois de novembre, décembre peut-être. Donc Mitterrand, lui, il a quand même fait la retraite à 60 ans, il a fait les nationalisations, mais en même temps il a dit autonomie de gestion, ce qui rendait le ministre de l'Industrie que j'étais impuissant. Donc il était un homme très contradictoire, Mitterrand, parce que chacun connaît son itinéraire complexe. D'ailleurs, qu'il vienne de la droite n'était pas forcément un péché capital. Pour mettre de l'ordre dans la maison de la gauche où il y avait tellement de chapelles, il fallait sûrement un homme de droite, qui ait quelque idée de la verticalité, comme tu dis. Hein, parce que l'horizontalité... Alors là, j'en viens aux nuances que j'ai avec toi. Hein, mais on ne va pas développer là-dessus. Rousseau, Voltaire, Marx, Proudhon, Tocqueville... tu as évoqué encore d'autres sujets sur lesquels je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Sur Robespierre, un livre qui vient de paraître. Robespierre, la construction d'un monstre. Tu sais très bien ce que c'est que la construction d'un monstre. Parce qu'il y a des gens qui aimeraient bien, toi aussi, te transformer en monstre. Ce livre est d'un dénommé Jean-Clément Martin, paru aux éditions Perrin. Je
me permettre de le conseiller. Je connais. Pour t'amener à nuancer légèrement ta pensée. C'est un robespierriste forcené. Ah, je ne suis pas du tout un robespierriste. Non, lui, Jean-Clément Martin. Ah, peut-être, ah, oui. Mais enfin, il faut bien qu'il y ait des avocats. À charge, l'avocat, ou à décharge, mais... Je voulais te poser une autre question, parce que je pense que c'est un grand moment dans l'histoire de France, effectivement, ce basculement du côté du libéralisme. Là, on est dans la politique nationale, encore que. Mais il y a un autre moment qui est le basculement de la France du côté des États-Unis et de la guerre. Tu m'as raconté cette anecdote terrible du président Mitterrand qui reçoit un coup de fil la nuit du chef de l'État américain. Alors, on va revenir sur un épisode qui, en effet... est très important du point de vue de notre politique étrangère, notamment au Moyen-Orient, mais qui dépasse le cadre du Moyen-Orient. C'est la première guerre du Golfe, 1990-91. Nous sommes 10 ans après l'arrivée au pouvoir de Khomeini en Iran, que, on peut dire, le monde entier voulait arrêter, ce qui amenait toute la communauté internationale, c'était aussi vrai des États-Unis que de l'URSS, de la France, de la Grande-Bretagne, etc., à soutenir l'Irak dans la guerre Irak-Iran qui a duré 8 ans, de 1980 à 1988. Et au lendemain de cette guerre, Saddam Hussein, qui devait de l'argent à tous les pays arabes, hein, qui lui ont fait la remise de ses dettes, sauf le Koweït, a eu la très mauvaise idée d'envahir le Koweït. Et on a longtemps cru que la décision de la guerre s'était prise au fil du temps. Ce n'est pas exact. Et Roland Dubat, dans une brochure publiée par l'Institut François Mitterrand, donc je peux parler publiquement, raconte qu'au matin du 3 août, c'est-à-dire le lendemain du 2 août, François Mitterrand le fait venir à son domicile et lui dit « Écoutez, j'ai reçu cette nuit un coup de téléphone du président Bush père, qui me dit, écoutez, nous allons faire la guerre à l'Irak. Est-ce que vous, la France, vous serez avec nous dans cette guerre ou est-ce que vous vous tiendrez en dehors ? Et Roland Dumas, qui est un grand spécialiste de la trajectographie, c'est-à-dire qu'il voit tout de suite où le président de la République veut en venir, comprend que le président de la République, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir peut-être tout à l'heure, souhaite être avec les États-Unis dans la guerre que... le président Bush, avec Mme Thatcher, d'ailleurs ils étaient réunis ensemble dans le Colorado, vient de décider. Tout le reste n'est qu'enfumage, non seulement du gouvernement, moi le premier, mais de l'opinion publique, de l'Assemblée générale des Nations unies, où au mois de septembre, François Mitterrand prononce un discours et il dit que l'Irak fasse un geste, tout peut encore s'arranger. Mais il y a un jeu... de Bonneto, qui fait que rien ne s'arrange. Les Américains ont d'abord envoyé 250 000 hommes. Ils doublent la mise. Ce qui fait que quand Saddam Hussein proposera d'évacuer le Koweït en octobre, c'est un message qui est transmis à Gorbatchev par Primakov. Primakov est l'envoyé spécial sur les questions du Moyen-Orient de Gorbatchev, comme il l'a été des dirigeants soviétiques depuis longtemps. C'est un spécialiste de la question, il en parle toutes les langues. Donc Primakov est porteur d'un message de Saddam Hussein, je suis prêt avec le Koweït, si les troupes arabes remplacent les troupes irakiennes. Il était quand même assez susceptible, un peu vaniteux même, on peut le dire. Donc il voulait que ce soit les troupes égyptiennes, marocaines, syriennes, saoudiennes, qui prennent la place des troupes irakiennes. Ce message restera au fond d'un panier, car... Gorbatchev et Mitterrand, qui se rencontrent fin octobre, conviennent qu'il est maintenant trop tard et connaissent la résolution des États-Unis pour faire une intervention dans le sens d'une issue qui aurait pu être pacifique. Donc voilà, j'ai considéré que c'était quand même dramatique de ne pas donner ses chances à la paix, de ne pas rechercher une évacuation du Koweït par la voie de la diplomatie. Je pense qu'elle était possible. Je crois pouvoir le dire sur la base de documents que j'ai conservés, que je tiens à disposition de ceux qui voudraient le vérifier. Donc je pense que plutôt que cette guerre du Golfe qui a ouvert la voie à des destructions immenses, à un blocus de 12 années de l'Irak
suivie d'une deuxième guerre qui a conduit à la destruction de l'État irakien et à la guerre civile qui se poursuit encore aujourd'hui, avec Al-Qaïda d'abord dans les années 2000, puis avec Daesh après l'évacuation de l'Irak par Obama, 2011. Il faut savoir que le gouvernement est à majorité chiite, donc quand même dans l'obédience de l'Iran, qui est le grand vainqueur de la guerre du Golfe. Ce n'était pas du tout le but des Américains. Et je l'ai expliqué à mon collègue américain à l'époque, qui était venu me voir en octobre 90. Je lui avais dit, si vous voulez briser les chiens de l'Irak, vous détruirez le pays laïque qui là-bas sert de verrou au Moyen-Orient contre l'Iran chiite. Et en même temps, vous allez mettre l'Iran en position dominante. Eh bien, ça a été le résultat de cette guerre du Golfe qui n'a de sens que si on la voit en perspective. Et en perspective, elle aboutit à un autre résultat qui n'avait pas été délibéré. C'était l'émergence d'un fondamentalisme et même d'un djihad sunnite à côté de la théocratie chiite iranienne, Khomeini. L'Arabie saoudite s'était débarrassée de ces extrémistes qui avaient occupé les lieux saints de la Mecque en 1979, les avaient envoyés en Afghanistan. Ils s'appelaient Ben Laden et quelques volontaires arabes ou turcs qui ont formé un premier djihad afghan, des moudjahidines équipés pour combattre les soviétiques. Et ce djihad afghan a considéré, à mon avis à tort, qu'ils avaient abattu l'URSS. Quand l'URSS s'est retirée d'Afghanistan, peut-être quelques 2 ou 3 ans avant l'implosion finale. Mais ils ont considéré qu'ils étaient revenus au temps du prophète, qui avait d'abord abattu l'Empire sassanide, puis s'était tourné contre l'Empire byzantin, hein, et avait occupé l'Égypte, la Syrie, l'Afrique du Nord, etc. Et ils ont considéré qu'à partir de ce moment-là, c'était eux qui allaient défendre l'Arabie saoudite. Comme l'Arabie saoudite avait fait appel aux troupes américaines, à ce moment-là, ils ont pris leur indépendance. Ça a donné Al-Qaïda, Ben Laden, les premiers attentats terroristes, 1992. Ils s'égrènent tout au long de la décennie et culminent en 2001 avec les Twin Towers, les tours jumelles de New York, hein, avec un commando suicide où sur 19, il y a 15 Saoudiens. Et ça fait quelque chose comme 3000 et quelques morts. C'est évidemment le début d'une nouvelle période. Le djihad planétaire de Al-Qaïda, qui va être suivi d'un djihad territorialisé avec le califat de Daesh, et une forme de djihad dit réticulaire par un islamologue, Gilles Kepel, parce qu'il voit dans les banlieues européenne où il y a beaucoup d'immigrés d'origine musulmane, enfin de confession ou de culture musulmane, hein, la possibilité de désagréger nos sociétés ou du moins de contribuer à leur désagrégation en utilisant l'arme du terrorisme qui enclenche évidemment des surenchères, des escalades et peut conduire. On connaît le mécanisme des guerres de religion, peut conduire effectivement, après un certain nombre d'années et quelques épreuves, à des massacres comme ceux que nous avons connus, nous, au XVIe siècle, avec le massacre de Vassy, qui n'est que de 1562, celui de Saint-Barthélemy, qui est celui de 1572, alors que le premier bûcher était allumé en 1523, hein, pour brûler un protestant. Donc ce sont des choses qu'il faut voir dans la longue durée. Et si j'ai évoqué tout cela, c'est pour vous parler de la guerre du Golfe et de ses conséquences sur la politique étrangère française. Il est évident que nous avions une politique autonome dans le monde arabo-musulman. Nous soutenions, les forces qui tendaient à l'émancipation et au progrès. Et dans le monde arabo-musulman, il y avait des tendances diverses. Disons que l'Arabie saoudite, c'est quand même l'allié américain, l'allié des États-Unis depuis 1945 et même depuis plus longtemps, parce que l'Aramco avait pu voir qu'il y avait en Arabie saoudite beaucoup de pétrole.
Mais l'Arabie saoudite, c'était un régime wahhabite. Il y a à la tête de l'Arabie saoudite une dynastie, les Saouds, qui sont alliés à une famille, Al-Sheikh. Al-Sheikh, qui est l'héritière de Abdul Wahhab, un doctrinaire takfiriste, enfin, comment dirais-je, un doctrinaire rigoriste du XVIIIe siècle, hein, puisque ça s'est passé à la fin du XVIIIe siècle, hein, et que ce régime wahhabite était considéré comme tout à fait inexistant tant qu'il était cantonné au désert du Nejd, autour de Riyad, personne, ça n'intéressait personne. Mais le jour où il a pris les lieux saints de la Mecque, en 1918-19, en chassant les Hachémites, et le jour où on a vu qu'il y avait beaucoup de pétrole en Arabie saoudite, et quand il y a eu les chocs pétroliers qui ont donné une immense fortune à ce pays, et les moyens de propager cette doctrine wahhabite, qui est une doctrine qu'on appelle aussi salafite, c'est-à-dire qui prône le retour aux pieux ancêtres contemporains de Mahomet au 7e siècle, évidemment, des boucles du Niger, de la boucle du Niger, jusqu'au Pakistan et même à l'Indonésie, de la Volga, hein, et du Caucase jusqu'au cœur de l'Afrique, construction de madrassas, d'écoles, coraniques, construction de mosquées, formation d'imams wahhabites, tout ça, au bout de 30 ou 40 ans, finit par avoir un effet. Un autre effet, c'est que l'armée française a, pour une fois, accepté d'être mise sous contrôle opérationnel américain. Nos troupes étaient disposées très à l'ouest, j'y avais veillé d'ailleurs, mais elles étaient quand même sous contrôle opérationnel de l'état-major américain. Et depuis, cette formule s'est développée dans la guerre de Yougoslavie, et naturellement, c'est la formule qui fonde le système de l'OTAN que nous avons réintégré sur le plan militaire avec M. Sarkozy en 2008. Donc, la guerre du Golfe a été le début d'une correction de trajectoire considérable qui nous a fait revenir sur l'orientation qui avait été choisie par le général de Gaulle en 1966, qui était la sortie du système militaire intégré de l'OTAN, plus de bases américaines en France, et l'autonomie de nos forces, même s'il y avait un accord aéré l'émissaire, c'est le nom des deux chefs d'état-major, pour ce qu'il convenait de faire en cas de guerre sur le territoire européen. Mais l'armée française ne dépendait que d'elle-même, hein, conformément aux orientations que le général de Gaulle avait tracées dans un discours célèbre, le discours de l'école militaire en 1959. Donc alors, nous ne sommes pas revenus tout à fait à la même situation, il n'y a plus de base américaine en France, et de toute façon, on sait qu'à l'intérieur de l'OTAN, un pays qui ne veut pas faire quelque chose peut ne pas le faire. Par exemple, les Turcs ont refusé le passage pendant la deuxième guerre du Golfe, ont refusé le passage aux Américains en direction de l'Irak. Ils ont refusé l'utilisation de la base d'Incirlik, qui est une base américaine dans le sud de la Turquie et qui, évidemment, aurait permis de frapper à courte distance les objectifs en Irak. Mais nous ne sommes plus tout à fait dans la même situation qu'avant 1966. Nous avons aussi une force de dissuasion nucléaire qui nous permet de maîtriser en dernier ressort notre défense si nous le voulons. Mais il n'en reste pas moins que toute notre politique étrangère au Moyen-Orient a basculé du côté de ce qu'était l'école interventionniste américaine, des néocons qui ont impulsé particulièrement l'invasion de l'Irak, la deuxième guerre du Golfe, en 2003, mais qui ont été à l'origine, je dirais, d'autres interventions, enfin, à l'origine, qui ont couvert d'autres interventions, par exemple la Libye, quand M. Sarkozy et son collègue britannique, qui à l'époque s'appelait Cameron, non, hein, il me semble, hein, ont pris l'initiative d'envahir la Libye, avec les résultats que nous voyons, hein, c'est-à-dire un pays livré à l'anarchie, et des armes répandues partout, entre l'Égypte et le Sahel, avec un effet majeur de déstabilisation, ou bien l'intervention en Syrie, c'est-à-dire que nous sommes présents en Syrie, hein, et nous nous sommes appuyés sur des groupes qui s'opposaient à Bachar el-Assad, transformés en monstres, qu'il est d'ailleurs, à beaucoup d'égards, mais les gens qui le combattaient, c'était les gens d'Al-Nusra, c'est-à-dire une filiale d'Al-Qaïda. Alors pouvait-on choisir entre Bachar et Al-Qaïda,
ou Daesh, car ensuite Daesh est passé d'Irak en Syrie. Je considère qu'il y a un moment, il faut quand même choisir le moindre mal. Qu'est-ce qu'il fallait faire en Syrie alors, soutenir Bachar el-Assad ? Non, je ne dis pas ça, mais les printemps arabes ont été conçus dans la foulée du discours que Obama a fait au Caire. Le moment est venu de la démocratie, etc. Ça, c'est très bien, bravo. Hein. Sauf que il suffit pas de faire des élections pour récolter la démocratie. La démocratie, elle implique le citoyen, c'est-à-dire l'éducation, la culture, le civisme et tout cet investissement préalable. Non seulement n'avait pas été fait, mais ces pays glissaient vers une forme d'islamisation au moins des mœurs, et même vers l'islamisme politique. Et quand on leur a demandé de voter, aussi bien la Tunisie que l'Égypte ont donné une majorité aux islamistes. En Égypte, aux frères musulmans, mais en Tunisie également, à Ennahda, qui est une succursale des frères musulmans. Donc, on a vu que les frères musulmans n'avaient pas la capacité de gérer ces pays, et la population s'est retournée contre eux, donc il y a eu de nouvelles élections, et ils ont été balayés. Et comme la France avait été montrée du doigt par les Américains en disant « mais vous avez soutenu Ben Ali », alors on n'a pas pu dire « vous avez soutenu Moubarak », parce que c'est vrai qu'on avait soutenu Moubarak, mais les Américains aussi. On a dit « écoutez, vous êtes en retard par rapport aux révolutions arabes », etc. Donc pour se rattraper, et je pense que c'est le mobile principal de Nicolas Sarkozy, il a fait l'expédition de Libye, où, soi-disant pour protéger les populations de Benghazi, on a en réalité opéré un changement de régime, un régime change sur le mode irakien. Hein. On a dégommé Saddam Hussein, puis on l'a fait assassiner, et là, même topo avec Kadhafi. Donc, en Syrie, dans un premier temps, on a vu que Bachar el-Assad avait quand même plus d'appui que la plupart des autres dictateurs, parce que Bachar el-Assad s'appuie sur toutes les minorités syriennes et sur une fraction de la bourgeoisie sunnite. Et très rapidement, un certain nombre de pays sunnites ont pris comme décision de soutenir les groupes d'opposition à Bachar el-Assad, parce que Bachar el-Assad était l'allié de l'Iran. Or, l'Iran était en position dominante au Moyen-Orient, et pour l'Arabie saoudite et pour la Turquie, il était très important de faire en sorte que Bachar el-Assad puisse être balayé. C'était leur intérêt, pour rééquilibrer le jeu, pour casser l'axe chiite que l'Iran dessinait de Téhéran à travers l'Irak, qui était passé dans leur escarcelle, puis la Syrie, qui était leur allié traditionnel, jusqu'au Liban, où le Hezbollah représente la minorité chiite importante au Liban. Donc il y avait cet axe chiite que les puissances sunnites, le Qatar, l'Arabie saoudite, la Turquie voulaient casser. Et la Turquie ayant une frontière de 800 km avec la Syrie, les déserteurs de l'armée syrienne ont pu former l'armée syrienne libre en 2011. Puis les hommes politiques syriens qui avaient quitté le régime ont créé la coalition nationale syrienne, et les puissances amies ont créé l'association des amis de la Syrie, et tout ça s'est largement fait sur le territoire turc. Ça, c'est le changement de cap de Erdogan, qui au départ avait gardé la politique de Kemal Atatürk, un zéro ennemi à nos frontières, et là, dans le cadre d'une politique qualifiée de néo-ottomane, il voulait prendre en quelque sorte l'ascendant sur la Syrie, de même qu'il soutenait en Égypte Morsi et les frères musulmans. Hein, et on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui entre le Qatar, l'Arabie saoudite, l'Iran, si on n'a pas cette idée qu'en effet, il y avait au niveau des frères musulmans une sorte de coalition qui visait à remplacer Bachar el-Assad. Alors pour nous, la question était de savoir s'il était judicieux de balayer Bachar el-Assad pour mettre au pouvoir une coalition qui n'aurait pas été composée de rebelles modérés, mais de rebelles pas modérés du tout, qui auraient été soit des salafistes, dans la meilleure hypothèse, hein, soit des gens liés à Al-Qaïda, soit ceux qui étaient les plus dynamiques sur le terrain, Daesh, si, par exemple, nos avions avaient frappé
le régime en 2013. J'étais à ce moment-là tout à fait hostile à cette frappe. Je l'ai exprimée à la tribune du Sénat en disant à Laurent Fabius, il faudrait quand même que dans certains cas, nous cherchions à ne pas nous situer à l'ouest de l'ouest. Ce qui a fait rire sur certains bancs, grimacer sur d'autres, hein, et qui était évidemment une critique de la politique qui avait été choisie alors par François Hollande et Laurent Fabius. Est-ce que j'étais assez clair ? Donc, voilà. Ensuite, nous sommes dans cette situation très confuse où on pourrait, en effet, essayer de rendre des pays comme l'Irak et la Syrie vivables pour leur population, ce qui implique beaucoup de diplomatie, un élargissement en tout cas du régime syrien, mais pas sa destruction. Parce que la destruction de l'État syrien, ça donnerait en Syrie ce que ça a donné en Irak, ce que ça a donné en Libye, ce que ça a donné au Yémen, ce que... Hein, les exemples abondent. Et il y a déjà suffisamment d'États faillis dans le monde, notamment en Afrique, mais aussi ailleurs, pour qu'on n'en rajoute pas de nous-mêmes. Parce qu'on parle du problème des réfugiés, mais ces réfugiés, ils fuient des pays que nous avons largement contribué à déstabiliser. Ce n'est pas que je veuille dire que nous sommes à l'origine de tout. Bien entendu, l'intégrisme religieux, il existe depuis très longtemps, hein, depuis des décennies. Hein. Les frères musulmans, ils ont été fondés en 1928, au lendemain de la chute du califat ottoman. Les salafistes, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une création de Abdul Wahhab au XVIIIe siècle. Et nous avions déjà affaire à eux. L'armée de Bonaparte a dû faire face à quelques assassins qui étaient de cette provenance. Kléber a dû être assassiné par quelqu'un qu'on a qualifié de fanatique à l'époque. On ne rentrait pas dans les détails. On a dit qu'il était assassiné par un fanatique. Mais disons que c'est Mehmet Ali qui est allé casser la première version du wahhabisme. Il y a eu trois versions successives de l'État wahhabite qui à deux reprises a été mis au pas par l'Empire ottoman. Et puis aujourd'hui, M. Trump est allé à Riyad expliquer que le terrorisme était bien du tout et qu'il fallait en finir avec le terrorisme. Alors la semaine qui a suivi, on a déclaré que le Qatar était mis au ban de l'humanité. Mais c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Lénine, après avoir... Tchernychevski avait écrit un livre qui s'appelait « Que faire ?» et Lénine a repris son titre « Que faire ?» Et alors, si on posait la question à Jean-Pierre Chevènement, « Que faire ?» Le libéralisme a rendu possible Marine Le Pen à 30% et au second tour des présidentielles. Ses comportements partout sur la planète ont généré le djihad et le terrorisme. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui quand on est président de la République, par exemple, en France ? D'abord, le djihadisme est une conséquence qui va au-delà de l'immense ressentiment que nourrit le monde arabo-musulman depuis la colonisation, depuis le démantèlement de l'Empire ottoman, hein, l'installation d'Israël, les deux guerres du Golfe, etc. Le terrorisme djihadiste est une des facettes de l'anarchie qui se développe dans le monde du fait des mutations du capitalisme, qui a changé son mode de production. On est passé du fordisme, c'est-à-dire du taylorisme, c'est-à-dire de la division du travail sur un mode d'organisation scientifique. C'était ce qui prévalait dans les 30 années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. Mais on est passé de ce système à un autre système, qui est le capitalisme financier mondialisé, l'acquisition de la valeur pour l'actionnaire, la segmentation de la production à travers la mise en concurrence des territoires, donc la dispersion des différents étages de production d'un produit dans le monde entier, certains pays ayant réussi quand même à maîtriser l'assemblage, la conception, les marges. Hein, l'Allemagne, le Japon, la Corée, beaucoup mieux que la France, il faut le dire, parce que nous avons par exemple délocaliser notre industrie automobile, ce que n'a pas fait l'Allemagne. L'Allemagne a seulement délocalisé la fabrication de composants.
dans les pays à bas coût de main-d'œuvre qui rentraient sur le marché mondial après la chute de l'URSS. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, je termine quand même sur le djihadisme. Le djihadisme, c'est aussi la réaction du monde arabo-musulman à un capitalisme intrusif qu'il rejette ou au moins refuse sous différentes formes, parce que, évidemment, ce sont des sociétés qui incarnent la tradition patriarcale, donc rien à voir avec l'hyper-individualisme libéral et avec l'image que, par les moyens de télécommunications modernes, la télévision, le net, etc., ils peuvent avoir tout en instantané. Ils peuvent avoir de l'Occident, donc ils réagissent de différentes manières, mais ça peut être l'islamisme politique, ça peut être simplement le djihadisme, Al-Qaïda, Daesh. Donc, il faut bien voir que nous sommes dans une ère de chaos mondial, où le chaos même est une stratégie de l'hégémonie. Je vais prendre un exemple. La guerre des six jours a abouti à un problème qui est resté pendant, un problème palestinien. On ne s'est pas pressé de le résoudre. On considère que ça a pu donner lieu à plusieurs guerres successives, hein, y compris d'ailleurs les guerres du Golfe, qui ont pour but de casser un certain nombre de régimes nationalistes arabes qui étaient encore proches de l'URSS. Enfin, c'était une époque déjà ancienne. Ce que j'appelle l'organisation du chaos, c'est par exemple l'invasion de l'Irak, l'invasion de la Libye, la manière dont est traité le problème syrien, qui, si on voulait le régler, impliquerait l'accord non seulement des États-Unis, de la Russie et des Européens, mais aussi des grandes puissances locales, la Turquie, l'Iran, l'Arabie saoudite et l'Égypte. Point de vue des Arabes sunnites. Si tout le monde se mettait autour d'une table, non seulement on pourrait réduire Daesh à Raqqa et à Mossoul, militairement parlant, mais vous savez que le problème qui se pose, c'est qu'en réalité, ceux qui sont autour de Raqqa et ceux qui sont autour de Mossoul ne sont pas d'accord entre eux. Parce que d'un côté, vous avez les Iraniens, les Irakiens chiites, hein, et les Syriens de Bachar el-Assad, le gouvernement de Damas, et de l'autre côté, vous avez les sunnites, plus ou moins divisés et plus ou moins appuyés par les puissances financières du Golfe, les pétromonarchies, les États-Unis, l'Europe, par des armes, par des drones, par des forces spéciales. Donc il y a quand même une gestion assez chaotique de ces dossiers qui gagnerait à être traité avec des idées simples. L'intégrité des frontières de ces pays, le pluralisme ethnique et religieux, la citoyenneté syrienne ou irakienne, et des gouvernements inclusifs. C'est ce qu'a d'ailleurs souhaité le président Macron. Ça a été peu remarqué, parce qu'on a beaucoup glosé sur l'affaire des LGBT de Tchétchénie. Mais Macron a quand même dit une chose, c'est qu'il fallait trouver, quand il a reçu Poutine à Versailles, il fallait trouver une solution inclusive en Syrie, y compris avec les représentants de Bachar el-Assad. Ça, c'est un changement de cap complet par rapport au gouvernement précédent, mais que notre système médiatique, pour des raisons que je n'ai pas besoin de d'élucider devant toi, a totalement occulté. Peut-être faut-il mieux que cette occultation ait eu lieu, parce que ça permet de progresser. Mais il y a évidemment beaucoup de choses qui ne peuvent pas se comprendre facilement, parce que le pouvoir, il s'exerce aussi à travers les médias, ce que les gens pensent qu'il faut faire. Il y a une sorte d'immense conformisme qui oriente les politiques. Mais néanmoins, c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, si tu me permets de te le dire. Moi, je suis pour une certaine verticalité. vous allez me dire, vous êtes comme Poutine, la verticale du pouvoir. Non, non, non.
je suis un républicain. Je ne dis pas un bon républicain, je suis un républicain. Et quand le débat républicain a eu lieu, un débat à hauteur d'homme, comme tu l'as dit, horizontal, le débat a lieu, il faudrait une presse évidemment libre, permettant l'expression de toutes les opinions, il faudrait des citoyens bien formés par une école digne des missions qui lui ont été confiées par Jules Ferry et quelques autres, parmi lesquels je me compte. À partir du moment où ce débat républicain aurait eu lieu, sanctionné par l'élection, il y a un gouvernement, il y a un président qui est élu, eh bien, lui, il doit prendre des décisions. Hein, et il faut qu'il prenne des décisions qui soient justes. Il peut prendre des décisions fausses. Hein, je pense que François Mitterrand n'a pas toujours pris les bonnes décisions. Chirac non plus, Hollande non plus, Sarkozy non plus, Giscard non plus. Alors, Sarkozy, je ne veux pas être trop dur avec Sarkozy, parce que par rapport à la crise financière de 2008, oui. Sarkozy a une bonne réponse, c'est de créer le G20. Et de lancer un plan de relance à l'échelle mondiale. Par contre, sur la Libye, il a tout faux. Ça, c'est clair. Et sur le TSCG, le traité budgétaire européen, à mon avis, c'est une erreur magistrale. C'est un traité que Hollande promet de renégocier, mais qu'il ne renégocie pas. Ce qui donne, évidemment, une politique qui n'est pas celle qu'il avait annoncée. Ce qui contribue à démobiliser son camp. Mais il faut le dire, c'est la politique qu'au fond, il avait toujours soutenue. Depuis son âge le plus tendre, il était un des créateurs de ce qu'on appelait les transcourants, c'est-à-dire un courant deloriste dans le Parti socialiste dès les années 80. Il était très européiste, etc. Et on ne peut pas faire le reproche à François Hollande de n'avoir pas eu une certaine cohérence tout au long de son parcours. Même Lisbonne, c'était tout à fait cohérent avec ce qu'il pensait. C'était évidemment pas cohérent avec le discours officiel du Parti socialiste. Hein. Mais... je suis quand même pour la verticale du pouvoir, parce que Hollande, il a quand même bien dû prendre quelques bonnes décisions. Par exemple, faire monter l'État au capital de Peugeot. Ça a sauvé Peugeot. Alors, il y a par contre une décision que je déplore, c'est la vente d'Alstom à General Electric. Ça, il aurait fallu y mettre obstacle. Donc, voilà, je pourrais nuancer à l'infini, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises décisions. Mais il y en a aussi quelques-unes de bonnes. Et je pars toujours du principe qu'il vaut mieux une décision que pas de décision. Alors, de ce point de vue-là, Hollande nous a vraiment offert l'exemple d'une grande capacité de ne pas décider. Car Hollande pensait qu'il fallait attendre que les choses retombent pour savoir comment il devait se positionner. Donc c'était une vision qui a été théorisée, d'ailleurs, par... beaucoup de grands hommes, enfin de grands hommes plus ou moins grands, c'était l'idée de Queuil, qu'on appelait l'immobilisme, et qui a été condensée par un haut fonctionnaire qui un jour m'avait donné un ordre, disant, apprenez jeune homme, j'étais jeune, je n'étais même pas jeune fonctionnaire, enfin si on peut dire que j'étais jeune fonctionnaire, dit, apprenez jeune homme, ça se passait pendant la guerre d'Algérie, j'étais en fait sous-lieutenant détaché, apprenez jeune homme qu'il y a deux sortes de problèmes qui peuvent attendre, il s'agissait de donner une escorte militaire, un convoi de médicaments vers la ville musulmane d'Oran. Et il y a deux sortes de problèmes. Ceux qui peuvent attendre demain, parce que les gens qui aujourd'hui sont dans l'antichambre et seront là demain, et puis il y a ceux qui peuvent attendre demain, parce que les gens qui sont dans l'antichambre, demain ne seront plus là. Ça, c'était la théorie de Queuil. Et c'était la théorie de Chirac qui était à l'école de Queuil. Et Mitterrand avait des sympathies pour Queuil, donc il disait... il ne faut pas dire trop de mal du président Queuil, parce que le président de Queuil, c'était un homme extrêmement prudent. Il attendait que les choses retombent. Évidemment, moi, ce n'est pas ma tendance naturelle. Je suis plutôt pour prendre des bonnes décisions. Mais je reconnais que quelquefois, il faut savoir attendre. Il n'y a pas de règle. Mais la verticale du pouvoir, c'est quelquefois utile. Sinon, c'est l'anarchie. L'anarchie, ça peut être la guerre civile. Hein. Et la verticale du pouvoir, c'est aussi l'édit de tolérance. C'est le parti politique pendant les guerres de religion. Henri IV, mais avant lui, Henri III, qui a fini sous le coup de couteau d'un ligueur, d'un moine ligueur. Mais c'était déjà le roi de France qui était pour la conciliation entre les catholiques et les huguenots. Donc il faut bien une ligne politique. C'est nécessaire. Il faut une vision. Donc il y a ceux qui cueillent et ceux qui tranchent.
Et tu me permettras d'être de ceux qui tranchent, parce qu'on avait dit 19h30 pour les questions. Merci Jean-Pierre pour cette magnifique leçon d'histoire, de géostratégie. Donc si vous avez des questions, monsieur, jeune homme. Bonsoir messieurs, bonsoir monsieur Chevènement. Je souhaiterais savoir si pour vous, vous aviez un héritier aujourd'hui dans le débat politique actuel. Merci. Mais j'en ai beaucoup et de très honorables. Hein, ils sont partout. Il y en a qui se réclament abusivement de moi. C'est plutôt les médias qui me les collent dans les pattes. Par exemple, monsieur Philippot, que moi je n'ai jamais vu dans mes comités de soutien. Certains prétendent que Emmanuel Macron a été aussi dans un de mes comités de soutien. Hein, et c'est possible. Certains même l'ont vu. Mais Coquerel, qui est au front de gauche, maintenant ça s'appelle la France insoumise, a été au mouvement des citoyens. Mais évidemment, j'ai une héritière préférée, c'est Marie-Françoise Bechtel, députée de l'Aisne, enfin, qui risque de ne plus l'être compte tenu du premier tour. Hein. Et disons que les idées n'ont pas de propriétaire. Je pense que les idées voyagent, c'est normal. Hein. On ne peut qu'aspirer à convaincre. Et je pense que je ne prétends pas avoir une philosophie complète. Non, ce serait excessif. Disons que sur la Ve République, je suis un partisan de la Ve République. Je suis tout à fait hostile à la Sixième République de Mélenchon, et même de mon ami Montebourg, qui est certainement quelqu'un qui se sent proche de moi. Enfin, ça le disait en tout cas. Ça dépend des jours. Et je dirais que la Sixième République, c'est le retour à la Quatrième. Or, si vous lisez le discours de Bayeux, le discours du général de Gaulle à Bayeux, en Normandie, 1946. Il explique que toute l'histoire institutionnelle française par le fait que, après la Révolution, les républiques ne veulent pas que le pouvoir s'incarne dans un homme. Elles sont contre le pouvoir personnel, contre la verticale. Elles sont pour l'horizontalité. Ça donne quoi? Ça donne le régime d'Assemblée. Et ça donne la Quatrième République. Certes, François Mitterrand était 11 fois ministre, mais c'était peut-être un peu trop. Les gouvernements auraient pu durer plus longtemps. Hein, et c'était vrai de la Troisième. Et vous savez la fin calamiteuse de la Troisième République. Alors, elle n'a pas toujours été calamiteuse. Il y a quand même eu Clémenceau, qui, comme disait, je ne sais plus quel humoriste, a été à lui seul toute la Convention. Je sais que Michel n'aime pas la Convention. Pendant 2 ans, Clémenceau était à lui seul toute la Convention, de 1917 à 1919. Hein. Donc, la Troisième République, elle a porté des gouvernements comme Gambetta, Ferry. Il y a quand même eu des gens qui avaient la vision. Au moins dans le domaine de l'école, et dans d'autres domaines aussi, parce que la politique étrangère de la Troisième République, c'était une politique étrangère. Elle ressemble d'ailleurs beaucoup à celle qu'a menée le général de Gaulle. Mais du point de vue institutionnel, le général de Gaulle avait dit, on ne peut pas vivre comme ça où le peuple ne s'incarne pas. Alors, je sais bien que le peuple doit s'incarner dans un État. Alors, on dispute sur le peuple-État. J'ai quelques nuances avec Michel, mais je pense que l'État, il faut bien que l'État républicain ait une incarnation. Donc, Charles de Gaulle avait choisi un arbitre national. Mais il ne voulait pas qu'il confisque tous les pouvoirs. Et au départ, Michel Debré, qui était chargé de rédiger la Constitution, disait c'est un parlementarisme rationalisé. Et du président Abel, disait c'est un monarque républicain. Après 62. C'est un monarque républicain. Mais il y a quand même le gouvernement qui doit avoir une majorité, un Premier ministre qui est chargé de gouverner le pays. Mais il faut qu'ils s'entendent. Bon, c'est assez difficile. Mais ce n'est pas impossible. Après tout, De Gaulle et Pompidou se sont entendus pendant 5 ans. Hein, et même Sarkozy et Fillon. Hein. Alors je ne dirais pas que Chirac et Jospin s'entendaient bien. Mais ils ont quand même cohabité. Finalement, ça n'a pas eu d'effet tellement négatif. Et rétrospectivement, moi, je corrige un peu ce que j'ai pu dire contre la cohabitation. Finalement, je serais pour le retour au septennat, peut-être non renouvelable, parce que ça distinguerait bien les niveaux.
le chef de l'État qui est responsable du long terme des intérêts généraux du pays, et puis le gouvernement qui fait sa petite soupe, ses réformes, enfin ce qu'on appelle réforme, hein, et puis qui doit avoir une majorité, et qui a quand même les moyens de l'avoir, semble-t-il. Merci infiniment, M. Lonfray, merci infiniment, Jean-Pierre Chevènement.